le phare de Cordouan vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie que nous partageons avec vous cette grande nouvelle. Et nous en sommes très fiers, bien entendu. C'est d'abord la reconnaissance de ce monument exceptionnel. C'est aussi une belle récompense pour ce projet collectif mené sans relâche pour le faire aboutir. Bien sûr, le SMIDEST et les services de l'État, mais aussi le partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde, ainsi que les 11 communes de la zone tampon. Marche après marche, main dans la main, nous avons gravi ensemble toutes les étapes, jusqu'à la reconnaissance de la valeur universelle de ce château phare. Alors une pensée peut-être à cet instant et des remerciements à tous ceux qui entretiennent, animent et valorisent le phare, les gardiens du SMIDEST, les agents des phares et balises, les compagnons et artisans d'art, l'association bien sûr des phares de Cordouan et de Graves, les ambassadeurs du phare, sans oublier tous les habitants des deux rives, de l'estuaire et les visiteurs qui nous ont soutenus. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un début. Il nous appartient maintenant de poursuivre ensemble notre travail, de continuer à préserver et valoriser ce monument et ce site unique, d'assurer sa transmission aux futures générations, car c'est un héritage précieux pour toute l'humanité.